Alors là, maintenant, la nuit est tombée. Et maintenant, on va essayer de chercher cette lune. Alors, je suis en train de descendre ma manivelle. On a l'impression que c'est le soleil, mais en fait, c'est la lune. Ouais. Ah, c'est assez impressionnant. Je vais encore descendre un peu. Alors, je dois. C'est très 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 délicat. Très 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 délicat. Un millimètre et tout est foutu quoi. C'est très difficile. Allez, la lune, reste pas là. Voilà. Alors, on essaye. Ça semble. Voilà, là, ça semble être la meilleure possibilité que je puisse avoir. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on la voit se déplacer vers la droite. Progressivement, car ainsi va le monde. Ah, c'est dingue! J'arrive pas à zoomer encore plus fort, quoi. Hein, pourquoi je n'arrive pas à zoomer encore plus fort? Ah oui, parce que je suis limité avec le zoom que j'ai. Ah, je vais repositionner, parce que la petite lune a tendance à fuir. Et en fait, elle a tendance à monter. Donc je vais la mettre plutôt comme ça dans le coin. Et elle va petit à petit monter. Oh, ça c'est incroyable. Ça c'est beau. Ça, je suis content. Ich bin très contente. Comme on dit chez nous. Ah oui. Là, on voit parfaitement le cratère de mon anus, c'est pas mal. Hein? La mer des cactus, le transport des bus et les différents impacts de cactus. Tout est clair, tout est net. Ah, maintenant, elle a l'air un peu trop haute. Alors, je vais tourner la manivelle. Ah, la petite lune. Oh, je suis assez précis quand même, cette histoire. Oh, ça c'est beau, ça. Elle a même la belle couleur, quoi. Oh. Franchement, je me dis bravo, Michael.